capitana. Mettez là, mon vieux! Te quiero mucho, gitana. Impérial, le programme de la France. Cette jeune femme, Blanche, qui est-ce? Liliane Bourgeot, 21 ans, danseuse. L'an dernier, tout Paris a couru la voir dans son numéro de cigale. Et depuis, elle n'aurait que d'un rôle au théâtre. Cet homme demain dans mon bureau. Je ferai le nécessaire, monsieur. Je vous supplie de me rendre en paix, monsieur le procureur impérial. Je vous jure qu'il est innocent. Laissez-le. Il faut sauver mon père. Vous savez, vous, que c'est un honnête homme. Un honnête homme? Oui. Un honnête homme que j'ai vu de mes yeux assassiner un malheureux? Vous savez bien que c'est une erreur. Je suis navré, mademoiselle, car votre obstination me touche. Mais Desjardis a été reconnu coupable par la justice. Nous n'y pouvons rien, ni vous, ni moi. Il doit mourir. Non! Monsieur! Non! Jardy est innocent. Il faut laisser passer la justice des hommes. Sergent! 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 Mademoiselle a perdu son mouchoir. Tenez. Je crois, mon ami, que vous êtes trouvé d'une très grande dignité. Cela s'apprendrait donc. Rendez-vous demain à l'atelier de Robert Pascal, graveur, 12 rue des Degrés, à 11 h du matin. On vous viendra en aide. Mademoiselle Desjardis, je suppose. Entrez, mademoiselle. Votre prénom est bien Gabriel? Oui. Mais je vous en prie, asseyez-vous.
excusez-moi. J'ai seulement une question à vous poser. J'y répondrai, monsieur. Vous croyez votre père innocent, n'est-ce pas? Oui, il l'est. Mais on l'a surpris le couteau à la main sur les lieux du crime. Mais monsieur, mon père est incapable de frapper un homme avec un couteau. S'il tenait le couteau, c'était pour l'avoir ramassé. Il était seul avec la victime. Qui d'autre serait le meurtrier? Quelqu'un qui est parti avant son arrivée. Quelqu'un à la solde de ceux qui ont attiré mon père pour le perdre. Et vous connaissez ceux qui voudraient le perdre? Je sais seulement qu'ils sont très puissants. Vous êtes allé implorer au théâtre le procureur impérial Sinamari. Pourquoi lui? Parce qu'il peut tout. Il peut tout. Mais il ne veut rien faire. Vous êtes-vous demandé pourquoi? Oui. Mais la réponse que je me suis faite m'a encore plus épouvantée que la question. Mademoiselle Desjardins, je ne suis qu'un humble artisan, un peu bijoutier, un peu graveur. Mais j'ai un ami, très puissant, qui peut vous aider. Il ne pourra rien, monsieur. C'est trop tard. Mon père sera exécuté dans 2 jours. L'empereur lui-même... Ah! Mon ami est roi. Et sa justice est plus rapide et plus terrible que celle de tous ces guignols peinturlurés. Mon ami, mademoiselle, est le roi des catacombes. Pas séance dans les catacombes, mais elle ne délivre pas des lettres de menace à des banquiers, elle ne réclame pas de rançon. Mais les fonctionnaires de police ne devraient pas écouter les ragots de concierges. Ben justement, les concierges font partie de la bande. Un coup de sifflet particulier qui ne fait même pas de bruit, les voilà alertés. Quand on occupe le poste qui est le vôtre, Dixmer, on doit garder ses souliers cloutés sur terre. Bientôt, pour un peu, vous m'affirmeriez que le roi Mystère existe. Il n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Il bouge, il place ses pions, il prépare une grande partie. De la vôtre. Je ne veux aucun incident durant l'exécution de Desjardins. C'est très important, une tête qui tombe. Ça doit contribuer à la grandeur de la justice.
notion de rachat d'Ixmer sans Jésus. Ah, Dixmer, il vous arrive de lire? Eh bien, abstenez-vous-en, du moins pendant quelques mois. Vous verrez, c'est très simple. Surtout les romans. Plus de romans, Dixmer. C'est mauvais pour l'avancement. Messieurs, c'est pour la nuit de demain. Vous exécuterez à la lettre mes ordres. Si chacun fait ce qui lui est enjoint, tout se déroulera à merveille. Personnellement, je serai au palais. J'y donne une petite soirée. Et nous, nous opérons de face. Tout juste vos tours. Tu feras équipe avec Pas de Doigt. Vous autres, une heure avant l'action. Vous recevrez l'indication du lieu exact où vous devrez intervenir. Et le signalement des personnes à enlever. Cocher discret, rideau baissé de tous les fiacres. Et des manières de gentleman. J'attends une prestation irréprochable de chacun de vous. Toi, l'ingénieur. Oui. J'entends que tu m'étonnes avec une machinerie diabolique aux effets magiques. Et j'essaierai. Bien. Le mot de passe et le sifflet vous seront donnés là où vous savez et à l'heure que vous savez. Des questions? Si, moi. J'ai une question. Toi? Je ne t'ai pas entendu. On ne m'entend jamais. Never. Tu veux bien leur demander de sortir? Si mon prince, nous donnerons un fil qu'on ne lâchera pas. La vengeance punira les coupables. Je crois que tu en fais un peu trop, non? Il ne fallait pas m'envoyer sa fille. Justement, je me demandais si je n'ai pas du tort. J'ai l'impression que la fille t'a ému. N'oublie pas la dent creuse. On en a chacun au moins une. La dent creuse, c'est la femme. C'est l'amour, my boy. N'oublie pas ta vengeance, King. Tu n'es roi que pour ça. C'est à vous que je dois cette invitation stupide. Veuillez, monsieur le procureur impérial, de lui faire l'honneur d'assister à la réception qu'il donne cette nuit en plein Paris, et à laquelle il prendra un intérêt extrême. Eh bien, vous pouvez la déchirer. La renvoyer à celui qui me l'a donné. Il n'y a pas le lieu du rendez-vous et elle est signée de deux initiales RC. Le roi des catacombes. Tiens, je croyais que vous l'appeliez le roi mystère. Je vous avais dit qu'il préparait quelque chose. Eh bien, moi, je trouve que cette mascarade a assez duré. Je vous donne 8 jours pour me coffrer ce voyou, s'il existe. Ou si, comme je le pense, c'est le fruit de votre imagination, pour ne jamais plus m'en parler. Allez, vous pouvez disposer. Non, attendez. Attendez-moi dans l'entrée, il se pourrait que j'ai besoin de vous. Allez! Liliane d'Anjou.
refuse toujours. Le miracle, monsieur le procureur impérial. Elle vous prie de l'accompagner ce soir à un bal où elle dansera. Invitation du roi des catacombes. Et là, il y a une adresse. La maison des miroirs. Quoi qu'il arrive, ne vous étonnez de rien. Retenez ces deux initiales, RC. C'est jamais mon nom. Bon. Sais-tu où ça va se passer? Ça, je sais pas. Tout est prêt. Le vautour opéra en personne. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah. Motus. Faites gaffe, un seul claquement de mes doigts et les cognes arrivent. Débrouille-toi plutôt de les envoyer ailleurs, si tu tiens à tes abattis. Dixmer, qu'est-ce que vous faites dans cette impasse? J'ai dit de se tenir au carrefour. Soyez prêts, tout concorde. Il risque d'y avoir du grabuge.
procureur impérial. Mademoiselle Dixmer, de la discrétion. Je pense qu'il serait préférable que je vous accompagne. Surtout pas. Restez dehors. Si dans une heure je ne suis pas ressorti, faites-vous ouvrir. Je connais comme... Vous êtes armé? Toujours, monsieur le procureur impérial. Pas de titre, pas de nom, jamais. Vous devriez le savoir. Son Excellence veut bien me suivre. Marcel et moi à la Maison Dorée quand un chasseur est venu nous apporter un petit mot nous invitant à venir ici afin de retrouver des amis. Après, ce serait comme au théâtre. On marcherait dans les murs à la manière des drames des 1830. On est comédien, nous, on ne l'est pas. J'ai dit à Raoul, c'est décidé. On y va. On y est allé. Bonsoir, monsieur le directeur de l'assistance. Et pour toi, comment cela s'est passé? Bon, chez moi, ce soir, à l'heure du dîner, comme je dépliais ma serviette, un papier est tombé. Dessus, il y avait simplement marqué une adresse, une heure et un mot de passe, RC. Et cela t'a suffi? Oui. Figure-toi qu'à la maternité, on connaît bien ces deux initiales. Il y a des tas de pauvres filles enceintes qui présentent à la consultation un mot signé RC, qui contient les deux pièces d'or pour la visite. Ma foi, je ne connais pas ce RC, mais il m'a l'air charitable et je ne suis pas mécontent de le rencontrer. Et toi? Moi, ce n'est pas pour lui que je suis. J'ai été convié par une femme. Toujours pas là, d'ailleurs. Le comte Teramo Griganti. Ah. Ah. Mesdames, messieurs, peut-on rêver rencontrer une plus brillante compagnie?
Ah, les salons de la capitale ne parlent que de votre arrivée à la fin de ce mois, comte. Ah. Pardonnez-moi, monsieur. La dernière fois que je l'ai rencontré, le comte a acheté la boutique entière de Guicelli pour qu'une petite mendiante de Rome puisse choisir le bracelet dont elle brûlait d'envie. Il y avait deux bracelets dans la vitrine, et le second est pour vous. Oh, 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 que belle! Oh, c'était donc cela la merveilleuse surprise du roi des catacombes. Oh, non, madame. Il a sûrement quelque chose de beaucoup mieux à vous offrir. Oh. Ah, une obligation à laquelle je ne puis me soustraire me contraint à vous quitter. Je ne suis venu que pour m'excuser de ne pouvoir assister à une soirée qui promet pourtant d'être inoubliable. Mon ami le roi Mystère me l'a affirmé, messieurs. Le roi Mystère, avez-vous dit ? Oui, monsieur. Ou si vous préférez, le roi des catacombes. Celui qui signe ses billets R.C. Il existerait donc ? En chair et en os, comme vous et moi. D'ailleurs, le voici. Ah ! Vous les regardez en haut. Mesdames, messieurs, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Je suis infiniment touché que vous ayez tous accepté de vous rendre à ma pressante invitation. Je vais vous demander un peu de patience. Nous ne sommes pas au complet, tous mes invités ne sont pas encore arrivés. Mais je puis vous assurer que la soirée ne tardera pas à commencer. Se joue de vous. Et nous, les hauts dignitaires de l'Empire, nous devrions nous plier à ses caprices. Toi, où est ton maître ? Toi, tu le sais. Réponds ! Allons, monsieur le procureur impérial, un peu de dignité et de grâce. On vous regarde. Le roi Mystère sera bientôt parmi vous. Pour moi, je veux savoir ce qu'il y a derrière ces rideaux. Vous êtes dans un palais de verre. La porte.
pas du même monde, hein. Mais nous n'allons pas nous laisser faire, il est clair qu'on nous a entraînés les uns après les autres dans un guet-apens. Pour moi, cela ressemblerait plutôt à une croisière surprise. Ah, vous en connaissez, bel ami, des croisières surprises, où l'on a cloué les portes des cabines de luxe? Messieurs, messieurs, je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Les dispositions sont prises. J'ai quelqu'un au dehors qui a ordre de faire investir ces lieux si je ne suis pas ressorti dans 12 minutes. Et dans 5 minutes, ce sera une séquestration arbitraire. Et dans une heure, un enlèvement caractérisé. Les hommes sont prêts à tout, soyez patients. La délivrance ne tardera pas. Monsieur Régine, chef de cabinet de monsieur le ministre de la guerre. Lâchez-moi! 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 Mon pauvre Régine! Vous aussi? Vous êtes là? Toi? Mon ami, toi aussi. Monsieur le procureur impérial, aura-t-il l'obligeance de m'expliquer pourquoi nous sommes ici? Je ne comprends rien à ce qui nous arrive. Ce que je sais, c'est que nous sommes captifs. Captifs, mais de qui? Captifs de personne, ladies and gentlemen. Seulement invités. Invités du roi des catacombes. C'est une blague ou quoi? En attendant, veuillez dégager le centre de la pièce. Allons, plus vite, allez! C'est à quelle heure, au juste? Pas avant le jour, c'est la loi. Just a little dance, mesdames, messieurs. Un numéro zygane. Thank you.
elle était vivante et tu te la verrais. Tu as peur, hein? Tu l'auras encore petit. Non, tu te la fais d'aller. Sur la garenne. Il le reste entre les dents. C'est une bonne maison ici. Ils sont gais. Ah. Bah, ils ont l'habitude. Je venais toujours ici, avec votre prédécesseur. De quoi est-il mort, au juste? La poitrine. À la fin, il n'arrêtait pas de tousser. Ça dérange la cérémonie. Et la cérémonie, comment ça se passe? La prestesse, tout est là. Surtout, ne pas hésiter à jeter le corps sur la bascule. À partir de là, on est quatre à savoir que ça va rouler sans histoire jusqu'à la fin. Le bourreau, nous autres, ses aides et le condamné. Si on s'entend bien, c'est superbe. Ah, ah, ah. Ça va? J'apporte la soupe. Vous avez assez de vin? Marceau. On voit le garçon. Zèle de Dixmer. Monsieur le procureur impérial, je suis heureux de vous avoir retrouvé. C'est intractable. Il faut partir d'ici tout de suite. Vous me suivez? Imbécile. Vous voyez bien que nous sommes prisonniers. Et vous l'êtes avec nous. Je vais vous faire le choum avec ça. Arrêtez-vous, monsieur Dixmer. Donnez-moi votre arme. Un pas de plus et je vous tue. Tire donc. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu attends? Vous l'aurez voulu. Raté. Derrière toi. Deuxième essai, monsieur Dixmer. Tire-t-on, voyons. Vous êtes où, cette fois-ci, monsieur le roi des catacombes? Dernière chance, Dixmer. Vise juste. Je te dehors, c'est important. Allons, par ici. Messieurs ont de la visite. Hein? Hein? Pardonnez-moi, a-t-on pris soin de dire à ces messieurs que c'était leur dernier repas? Oh.
Pas de souci, l'addition sera pour nous. Bon appétit, messieurs. Il s'appelle Monsieur Emmerich. Il devait même garder ses lunettes pendant les exécutions. L'administrateur a refusé. Tu te rends compte? Tu veux pas qu'il coupe le cou d'un de tes assistants un jour de brouillard? Oh, arrête. Tu feras ce que je ferai et tout ira bien. Monsieur le procureur impérial, je désirais vous parler. Monsieur, d'habitude, c'est moi qui donne les ordres. Eh bien, la raison de votre présence ici est que vous vous apprêtiez à commettre un crime et que j'ai décidé de vous en empêcher. Oui, chacun d'entre vous, par lâcheté, par indifférence, ou par intérêt, a contribué de sang-froid à la préparation du meurtre rituel d'un homme accusé d'un crime dont il est innocent. Donc, j'ai décidé de vous montrer ce soir comment on sauve un homme de la guillotine. Il suffit! Je dis que cela suffit! Savez-vous que j'ai failli me laisser prendre, nous tous, la fine fleur de la société. Et nous courbons l'échine devant un criminel orgueilleux et un abo débile. Cet homme est un foutu bâtard. Une chose est certaine. Hors de cet édifice de pacotille, derrière ces vitres, la vie normale continue. En quelques instants, aux premières lueurs de l'aube, justice sera. Desjardis aura payé sa dette à la société. Au lever du soleil, monsieur le procureur impérial, Desjardis aura toujours sa tête posée sur ses épaules. Monsieur, à mon tour de vous interroger. Est-il vrai? Quoi donc, madame? Vous allez empêcher ce pauvre Desjardis d'être décapité? J'aurai ce plaisir, en effet. Non. L'assassin sera exécuté. Régine, Philibert, Eustache, suivez-moi. Nous allons forcer la porte. Décidément, vous ne changerez jamais. Toujours aussi lâche. Procureur, nous voilà entrés dans le quart d'heure de vérité. Si Desjardis est coupable, je fais le serment de le rendre à l'échafaud. Mais, en attendant, je vous prie d'écouter une voix qui crie l'innocence d'un père.
Faites entrer, mademoiselle Desjardins. Parlez, miss, si vous en avez encore la force. Monsieur le procureur impérial vous écoute. Mon père est innocent, monsieur le procureur impérial. Je vous le crie, non pas seulement parce que je l'aime, mais parce que c'est vrai. Viens, vous mendiez une vie. Qu'est-ce que c'est pour vous, une vie? Pour vous qui en avez tant pris. Une vie d'honnête homme. Il vous vaut bien, vous savez, monsieur. Oh, je vous en prie. C'est moi qui prie, monsieur. Nuit et jour, depuis des mois. Le 3 juin dernier, mon père s'est rendu chez Didier, qu'il ne connaissait pas. C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que nous avons surpris Desjardins un couteau à la main. C'est celui de l'assassin. Celui qui a bousculé mon père dans les escaliers. Je sais. C'est ce qu'a prétendu la défense. L'ennui, c'est que cet homme, on ne l'a jamais retrouvé. Pourtant, il existe, monsieur le procureur impérial. C'est celui qui a tout manigancé. Celui qui a appelé mon père auprès de Didier pour le père. Ça suffit. C'est Desjardins qui a tué Didier le 3 juin dernier. Et personne d'autre!
Vous entendez? C'est la foule qui a faim. Faim de la tête d'un homme, elle n'aura pas. Sera sauvé.
champagne en l'honneur de Monsieur Desjardins. Procureur. Oui, on sait. Faites-moi cela immédiatement. Convoquez-moi Dixmer. Ici, tout de suite. Bien, monsieur le procureur. Ridiculisé. Nous avons été ridiculisés. Et drogués. Tom est un démon. Comment diable a-t-il pu s'y prendre? Moi, c'est la femme qui me fait le plus peur. La femme qui dansait, c'était elle. Trait pour trait. Elle a son âge. Tu vas pas me dire que tu crois au revenant, non? Non. Mais je crois à la vengeance. T'as la trouille, hein? Fallait penser avant, mon bonhomme. On s'offre pas un crime au-dessus de ses moyens. On était bien jeunes. Il fallait penser à notre carrière. Eh oui, seulement voilà. On a vieilli, toi surtout. Et tu te mets à ressembler à ce que tu es, c'est pas beau à voir. Si l'empereur te voyait, on a commis une faute. On s'en est remis au bourreau de Paris. On aurait dû opérer nous-mêmes comme jadis. Tais-toi, Sina, tais-toi! Tais-toi! Tu pues, Régine. La peur s'en mêlait. Tu avais ce visage-là lorsque nous étions jeunes. Je me souviens de notre dernière nuit passée à Montmartre. Tais-toi, je te dis! Mais pourquoi vous ai-je utilisé? C'est égal, j'aimerais bien voir la tête de Stache quand il s'est réveillé. Mais pourquoi me suis-je servi de vous deux? Vous avez sous la main. Vous aviez guère de scrupules et beaucoup d'ambition. Sacré Stache. Il est quand même plus crapule que toi, avec ses airs dévots. Monsieur Eustache Grimm, directeur de l'assistance publique. Ça suffit, Sina! Les temps vont devenir difficiles, mon petit Régine. Je suis convoqué chez l'empereur à 2 heures. Ça ne présage rien de bon. Il a les digestions de son oncle. Heureusement, j'ai donné des ordres un peu partout. Desjardins ne tardera pas à être repris. Il le faut absolument. Y as-tu pensé? S'il retrouvait Costa Rica et qu'il le fasse parler, tu serais foutu, mon vieux. Toi, le premier. Si je tombe, vous tombez tous les deux. Monsieur Dixmer, monsieur le procureur impérial. Qu'il entre. Mes respects, monsieur le procureur impérial. Je ne vous savais pas si bien renseigné. Vous faites partie de la bande? Un bon policier est partout chez lui, monsieur.
Un procureur impérial aussi, Dixmer. Prenez une compagnie de gendarmes et attendez-moi dans la cour d'honneur. Et où allons-nous? Au palais des miroirs. Tu oserais venir avec nous? Tu es vraiment un monstre, Sinamari. Déposez. Entrez, mademoiselle. Mon ami, si vous saviez. J'ai deviné depuis que vous êtes entrée, rien qu'à voir l'éclat de vos yeux. Votre père est sauvé, n'est-ce pas? Il est vivant. Vivant grâce à vous. Oui, grâce à vous. Racontez-moi. J'ai fait ce que vous m'avez ordonné. Avez-vous rencontré votre père depuis qu'il est sauvé? Non. Il a disparu dans les entrailles de la terre avec la guillotine. J'ignore où il se trouve. Je sais où il est. Mon ami me l'a dit ce matin. Dites-moi vite, j'ai peur pour lui. S'il est dans les catacombes, malade comme il est... Il doit partir, Gabriel. À Paris, toute la police est à sa recherche. On va l'emmener à Bordeaux. Comment cela? Il ne courra aucun risque. Ce sera un voyage de tout repos. C'est trop. C'est trop. J'aimerais tellement qu'il le sache. Qui? Le roi mystère. Mais qu'il sache quoi? Ce baiser que je n'aurais jamais osé lui donner. Portez-le lui.
fidèle. Mère fidèle. Mais c'est cet excellent monsieur McCallan. Descends, je descends, mon grand. Son of a bitch. Avec ça, vous verrez plus clair. Vous avez besoin d'autre chose? La mallette qu'on t'a apportée. Allez, pareil, j'attends une visite. Desjardins n'a pas débranlé Sinamari. Deux, tu t'es montré à visage découvert. Nous avons abattu un atout pour rien, sans faire le moindre pli. Nous avons sauvé la tête d'un homme innocent. Un innocent ne mérite jamais de déranger un roi, my dear. Sans compter que nous avons toutes les polices de France à nos trousses. Je suis le seul à décider où et quand donner les ordres. Encore faut-il qu'il serve à quelque chose. Une mission à remplir, King. Vous n'êtes qu'un malade, obsédé par une vengeance qui ne vous concerne même pas. Ne redis jamais cela, sinon... Sinon, vous m'avez fait roi. Je vous considère donc comme l'un de mes serviteurs. Demain, je peux donner l'ordre qu'on vous écrase. Sans moi, tu ne trouveras jamais le repos. Je vais te donner une dernière chance, King.
m'as-tu donné cette puissance? Pourquoi cet or? Pourquoi? Ne cherche pas, ne cherche jamais à savoir. Voici plus d'un an que je t'avais promis la fin de tes cauchemars. J'ai tenu parole. Ce qui reste à accomplir est terrible. Il est encore temps de dire non. C'est décidé. Je ne peux plus reculer, j'irai jusqu'au bout. Alors répète, je jure de vous venger. Je le jure. Plus fort, je veux être sûr d'avoir entendu, je jure. Sur cette croix, je jure de vous venger tous les deux. Que le plus extraordinaire des romans, la vie est dans le cerveau. Les saules sont toujours pleureurs.